Les produits laitiers sont une partie importante du guide alimentaire. Ce lait et ses sous-produits comme les yogourts et le fromage sont le fruit de l'effort des producteurs laitiers canadiens. Ces mêmes producteurs se retrouvent confrontés à plusieurs obstacles. L'un des plus récurrents étant la mamie de bovine, l'inflammation du pis, souvent causée par une infection bactérienne à Staphylococcus aureus. Cette maladie a plusieurs effets négatifs, dont la diminution de la production et de la qualité du lait, ainsi que l'utilisation d'antibiotiques. Avec l'augmentation des résistances aux antibiotiques chez les bactéries, il devient crucial de trouver des moyens alternatifs pour traiter les mamies de bovine. En analysant les communautés bactériennes du lait cru, il devient possible de déchiffrer les interactions entre les bactéries natives et Staphylococcus aureus. Ainsi, cette recherche revient à la base pour voir comment cet écosystème réagit à l'envahisseur et comment l'envahisseur réagit à cet écosystème. Peut-être sera-t-il possible un jour de renforcer le pis avec des bactéries sélectionnées pour protéger les vaches contre les mamies. Ceci pourrait grandement aider les producteurs laitiers, en plus d'améliorer la qualité du lait.